J'ai étalé de la pâte sucrée, mais très très fine. Vous voyez? Je l'ai cuite à 160 aussi. J'ai cuit mes tartelettes. Et à côté, j'ai cuit deux tartelettes que j'ai bien écrasées pour en faire un sablé croustillant. J'ai conservé une petite quantité de biscuits chocolat. Je conserve la ganache montée Givara. Et puis juste en ce moment, j'avais à la maison des fruits de la passion. J'avais aussi dans le jardin quelques dernières framboises qui souffrent un petit peu de la sécheresse. Mais vous allez voir, entre tout ça, je vais faire un petit dessert très sympathique. Un petit lacet de ganache montée. Je prends une cuillère chauffée. On ne racle pas, on fait juste regarder un beau copeau de mousse chocolat. Je la prends et hop, je la dépose. Je ne gâche rien, je n'écrase rien. On en met une seconde. Regardez, je prends la cuillère, je prends juste de la mousse et hop. On va déposer ensuite quelques éclats de sablé. Voilà, on essaye de disposer cela avec beaucoup d'harmonie. J'ai coupé mes framboises en deux pour qu'il y ait un petit peu plus d'appétence. Et ensuite, juste pour terminer, on prend notre jus de fruits de la passion parfaitement mûr. On en met un lacet tout autour. Oh, que ça sent bon. Et là, j'ai mon petit dessert, mousse au chocolat croustillant de pâte sablée, fruits de la passion frais, les framboises du jardin. Sincèrement, la vie est belle.